Frédéric Grenier de Job Boom. On va parler retraite, mais souvent, on parlait retraite aussi dans la chronique finances personnelles avec Sophie. Oui. Alors là, on vous a matché tous les deux. Mais on va pas parler de retraite au niveau de nos finances. C'est plus au niveau c'est du travail aussi. Mais d'ailleurs, pourquoi j'en parle pas dans ta chronique? Mais je vais en parler éventuellement dans ma chronique finances personnelles. Des détails un peu plus techniques, si on veut, là, au niveau de calcul et tout ça, parce que tu vas nous donner un exemple, mais on peut aller très loin là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on suggère souvent aux gens d'avoir un planificateur financier. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut planifier ça et commencer très tôt. Je disais à la blague à la maternelle, là, mais c'est presque rendu ça. Hein? Bien, tout le monde, au tout début de sa carrière, à partir du moment où on commence à travailler, où on a un vrai job, là, et là, à ce moment-là, on peut commencer à cotiser. Effectivement, plus tôt on commence, moins ça sera douloureux à l'avenir. Alors, évidemment, lorsqu'on a 20-25 ans, ça peut paraître extrêmement lointain. L'idée n'est pas quand même de fixer sa retraite dès lors, c'est-à-dire qu'on a le temps de se réajuster au fur et à mesure, mais au moins commencer le plus tôt possible. Vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas commencé très tôt. Et dites-vous que vous n'êtes pas le seul. En majorité, en fait, la moyenne d'âge où les gens commencent à contribuer à leur IR, c'est 45 ans. Donc, c'est un peu tard. C'est un peu tard, sauf que la réalité fait en sorte que c'est quand on est jeune qu'on a des enfants, on fonde un foyer, on veut une maison, on veut notre argent là pour vivre ça. Ouais. Bon, la retraite, oui, je veux bien, mais je veux, au lieu d'avoir un logement, payer un loyer, j'aime bien mieux être propriétaire. Donc, cet argent-là va m'être plus utile maintenant. Quand j'ai 25-30 ans. Et tu as d'autant plus raison que c'est beaucoup plus coûteux aujourd'hui de se loger qu'autrefois. L'achat d'une maison peut représenter jusqu'à 40 % de ses revenus par année, juste le financement de cette maison-là. Alors qu'autrefois, l'âge peut-être de nos parents, c'était peut-être du 10, 15, 20 %. Donc, une part importante de revenus qui passe d'abord sur, justement, donc, la finance de la maison, mais également les études prévues pour les enfants plus tard aussi. Donc, il y a plein de postes budgétaires qui... Malheureusement ou malheureusement, bien, il passe en priorité avant de penser à la retraite. Oui, tout à fait. Alors, comment trouver l'équilibre, justement? Comment savoir combien on doit mettre de côté? Ça c'est la grande question. C'est la grande question. Et il y a comme à peu près 1 million de réponses, en fait, parce que ça dépend évidemment de ses objectifs personnels. Est-ce qu'on veut prendre notre retraite à 50 ans, 65 ans, 60 ans, 75 ans, pas de retraite du tout? Qu'est-ce qu'on va avoir à payer aussi? Qu'est-ce qu'on va avoir à payer également? C'est quoi nos objectifs? Est-ce qu'on va faire le tour du monde à 60 ans ou on veut vivre pépère à la maison? Ça aussi, ça influe grandement. Le tour du monde, c'est ça. Le tour du monde et pas de maison. C'est ça. On vend tout, puis on fait le tour du monde. Et puis ça dépend aussi de quel véhicule de placement dont on bénéficie. Si on a, par exemple, un régime de pension financé par l'employeur ou on n'en a pas, est-ce que c'est un régime à prestations déterminées ou encore à cotisations déterminées? Bref, il y a toutes sortes de variables qui entrent en fonction dans le calcul qui fait que effectivement, vaut mieux parfois aller voir un planificateur financier qui est dûment autorisé par l'autorité des marchés financiers parce que on n'a pas le goût de se retrouver comme témoin vedette à une émission comme JE, comme une victime vedette. Donc, il faut être vraiment prudent de ce côté-là. C'est un calcul complexe parce que, d'autant plus qu'il y a, il y a les REER qu'on prend sur une base individuelle, il y a le régime qu'on peut avoir avec notre employeur, il y a aussi les programmes gouvernementaux, régime de pension du Canada, les rentes du Québec, régime des rentes. Donc, il faut arriver à calculer tout ça. Il faut arriver à calculer tout ça, et en d'autant plus qu'il y a une autre variable qui vient d'entrer en compte, c'est qu'on ne sait pas trop vers quel âge qu'on va pouvoir, entre autres, retirer soit notre régime des rentes du Québec ou encore le régime de pension du Canada. On l'a vu. Oui, on recule ça beaucoup. On recule ça déjà, c'est à 67 ans pour à partir, je crois, c'est 2024 ou 2025. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un réajustement à ça, où on va encore retarder cette possibilité-là. Donc, lorsqu'on veut prendre sa retraite à 60-65 ans, il y a cette partie-là de revenus qu'on devra forcément soustraire et donc encore là rentrer dans notre calcul. Si on veut avoir une idée, je pense que tu as un outil à nous proposer. Moi, je t'avoue que je le connais, mais je ne suis pas capable, j'ai peur. J'ai peur de le faire, j'ai peur d'être découragée. De voir le résultat que ça va donner. J'ai peur d'être découragée, mais montre-moi ça. Comment en fait, c'est le similaire de la Régie des rentes du Québec. Donc, en fait, en gros, on rentre quelques détails sur sa vie, sa date de naissance. Exactement. On veut prendre notre retraite à quel âge, et c'est ça, puis l'argent qu'on pense mettre de côté et tout ça. Et en bout de ligne, ça nous donne le taux de remplacement de revenus qu'on va obtenir avec les paramètres qu'on aura rentrés. Ce qui fait qu'en sorte que dans certains calculs... Comme là, on a quelqu'un qui a 76, qui a 37 ans, qui est travailleur autonome...
Donc, il n'y a pas de régime de pension. Tout à fait. Et ça, ça va tenir en compte de la régie des rentes? La régie des rentes, okay, et également de la pension de vieillesse du Canada. Donc, on pourrait se retrouver dans ce cas-ci peut-être autour de 49-50 %, je crois, si je me souviens bien, du revenu de remplacement. Donc, ça, c'est en deçà de ce que les spécialistes suggèrent. Oui. Il faudrait avoir un revenu d'à peu près de 60 à 70 % de ce qu'on avait lorsqu'on travaillait pour vivre à peu près sensiblement le même niveau. Ça, c'est le calcul qu'il faut faire. Si on fait 50 000, ben, il faut s'assurer peut-être d'avoir un 35 000 au moins de revenu 35 000 à peu par année, près, c'est ça, pour oui, être confortable. Parce qu'on considère que les dépenses vont être moins élevées? Les dépenses vont être moins élevées parce qu'effectivement, ça coûte cher de travailler. On a beaucoup plus de déplacements, ça coûte plus cher en vêtements, en nourriture aussi, mm-hmm, à l'extérieur de la maison, tout ça. Donc, il y a aussi toutes sortes de cotisations à l'emploi. Dis-moi, si je me trompe, je peux changer le montant que j'économise à chaque paye, comme je peux aussi rallonger le nombre d'années de cotisation, oui, ou tout de placement. Hein? Oui, c'est un ça, des deux, oui, dans le fond. Si je peux faire les deux, tant mieux. Tant mieux, mais sinon, ça ne suffit pas. Il y a des erreurs à éviter absolument pour s'assurer qu'on ait une retraite confortable? Oui, il faut entre autres vérifier les frais de gestion des différents de véhicules de placement dont on peut bénéficier. Dans certains cas, ça peut aller d'un et demi à 3,5 %. Ça n'a pas l'air énorme, mais sur 20 ans, par exemple, vous placez 7 500 $ plus ensuite 1 000 $ par année pendant 25 ans. Si vous avez 3,5 % des frais de gestion, ben oui, c'est 20 000 $ de plus qu'on a. Mais est-ce que je peux les éviter? Il faut magasiner. Il faut magasiner beaucoup. Et ça bien sûr, aussi on pourrait mettre besoin de l'argent dans un compte puis pas y toucher, mais cet argent-là, donc, ne profite pas plus que le taux du compte. Évidemment, plus on a un outil sophistiqué, et puis on va avoir de services, plus les frais de gestion vont être élevés. Ouais. Mais au bout du compte, on va avoir peut-être moins d'argent à notre disponibilité parce que... Fut une époque où les gens ne plaçaient pas l'argent, mais mettaient ça dans un bas de laine dans le tiroir. Puis là, après ça, au bout de 10 ans, sortaient le bas de laine. Puis, hey! Mais c'est plus ça aujourd'hui. On le place. Est-ce que c'est dangereux de placer? Bien, si on fait affaire avec une institution autorisée, non, il n'est pas trop dangereux. Mais en même temps, toujours, faut pas y aller à cette part de risque des marchés financiers, on est de plus en plus dépendant des rendements boursiers pour nos revenus de retraite. Et on l'a vu avec la crise de 2007, comment ça peut faire mal. Oui, il y a des gens qui ont tout perdu. Ouais. Exactement. Je pense que tu as raison, Sophie. Oui, on va faire une maternelle. Première là-dessus. Hein? Maternelle, on commence hein? En maternelle. Et... Oh, entendez-vous? C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Abri Tempo avec Éric Sanssouci.